Donc suite à la vidéo pour la visite de la ruche numéro 2. Oreo qui vient là, tu vois ceux-là. Donc là pareil, petit enfumage, juste pour avertir l'entrée. Oreo, tu viens ici. Viens là. Et ah les chiens, les abeilles. Viens ici. Attention. Viens là. Oreo, viens ici. Dépêche-toi. Viens là. Viens là. Tu te dépêches. Viens là. Viens ici. Donc là, pareil, un cadre de rive qu'on va le voir ici. Voilà. Le même, hein. C'est pour la même chose que tout à l'heure. C'est pour éviter de chauffer un espace qui sert à rien. J'ai pas envie que le chien s'en aille dans le pare-feu. Donc là on va faire notre première visite de la ruche numéro 2. Donc pareil, hein, 27 avril. Hop. Donc ça c'était une partition que j'avais mis. Et je vois que là déjà ça bien bossé. Donc là il y a du pollen. Là, alors ce qui est embêtant, c'est ouais, il faut changer de main. Donc là, ça étire hein, gentiment. Ça fait le boulot. Donc ça, cette ruche-là, la ruche numéro 2, c'était une ruche, on va dire, l'essaim, il était pas, il était un peu moins fort que la première. Donc, je suis assez surpris quand même en peu de temps, ils ont quand même bien rattrapé le retard. Sachant que chaque essaim, on va dire, c'est comme les enfants, on peut avoir les mêmes parents, mais avoir des enfants différents. Chez les abeilles, c'est pareil. On peut avoir. Donc là, je trouve que dans ces ruches, elles sont souvent agressives. Alors pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Pourtant, c'est la même variété. Hein. Donc là, c'est de la Buckfast. Et on voit que là, pareil, il y a du couvain. La reine, elle est là, ici en bleu. Il y a du pollen. Du couvain. Pareil, hein, c'est vraiment manipulé gentiment qu'on fait la visite. Voilà, un petit coup d'enfumage pour faire un peu redescendre tout ça. Donc pareil, on voit qu'à fond de leur stock de pollen, il y a des nymphes. Donc ça, c'est des futures abeilles. Il y a des naissances. Donc ça, c'est très très bien. Donc là, le couvain, il est assez concentré. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Des fois, quand il y a des couvains un peu en mosaïque, qu'on appelle ça, il peut y avoir une maladie. Donc faut vite y remédier. Bon, c'est des pontes anarchiques. Mais là, ça va, là, je m'inquiète pas. Un joli cadre. Vous pouvez voir. Un joli couvain operculé. Là, la ponte, elle est géniale. C'est vraiment bien homogène. Bon, bien sûr, hein. Hop, c'est pour faire redescendre tout le monde. C'est vrai que j'ai oublié mon lève-cadre. Ce qui t'a fait, on peut gratter aussi un petit peu au-dessus du cadre pour que ce soit propre. Je le ferai à la prochaine visite. Hop. Donc là, pareil. Un joli couvain. Il y a du pollen en haut du cadre. Un très 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 joli couvain. Il va y avoir du monde à la naissance, je vous le dis moi. Donc après je fais quand même la visite assez rapidement parce que c'est quand même pas un jeu hein, de faire la visite. Hein. Mais c'est vrai que là c'est idéal. Vous voyez hein, elles aiment pas. Hein. Par contre, je me rappelle plus d'avoir, je sais pas, c'est vrai qu'en discutant, j'ai peut-être pas fait attention, mais j'ai pas vu la reine. Voilà. Donc vous avez vu, une visite ça demande pas longtemps, mais c'est quand même bien de voir régulièrement, voir comment ça se passe. Voilà, voilà Wally, Walou, comment ça se passe la visite. Donc là je vais surveiller, voir ce cadre comment il est déjà. C'est comme j'ai ma partition à côté. Ok. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre un autre cadre de cire. Je vais décaler ma partition. Donc justement, vous allez voir ça. Je referme tout ça quand même. Et je reviens remettre un autre cadre. Vous allez voir comment ça se passe. Je referme et je reviens.
Hop, désolé, le portable est tombé. Donc voilà, vous allez voir là justement. Changement dans le cadre, la partition. Vous voyez la différence, là c'est lisse. Vu qu'il y a du monde, vous allez voir. Pareil. Petite manip. Et on lève gentiment. Donc là, vous allez voir la partition, comment on fait. Là, j'ai enlevé un cadre. C'est une ancienne partition, ça, que je peux enlever. Du coup, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce cadre-là, ça sert à limiter l'espace pour que les abeilles chauffent. Donc là, je le décale de gauche à droite. Voilà. Et là, je vais introduire une cire toute neuve. Et là, c'est là où vont faire leur genre de trou qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous avez vu en fait comment on se passe la partition. Voilà. Le cadre est en place. Pas besoin de faire plus de manipulations. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. Et on peut voir que ça bat le rappel. Voilà. Pour dire aux autres qui étaient dehors, la reine est ici, c'est ici que ça se passe. Allez, à bientôt.